Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Arc en compagnie de Mr. Archangel. Salut à tous. Alors, quand on s'est quitté, on venait d'avoir un Argentavis, on a eu deux Raptors, et on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Très bonne question. Faut toujours essayer de retourner voir si... On a regardé pour la selle de l'Argentavis. Malheureusement, c'est gourmand. Il n'y avait pas une tortelle là tout à l'heure? Si, elle est repartie dans l'eau. Ah non, elle est là. Ah, mais ils sont pas si. Ils sont en agressif, les machins. Bah, c'est pas grave. J'ai mes flèches quoi là? Je sais pas. Tes flèches tuées. Wow! Il m'a foutu une patate, toi! Oh merde! Raté! Attention, tu vois. Cours, Morissette, là. Allez, elle est en sang. Je vais y arriver. Allez. Non, ça. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Alors attends. Attends. Qu'est-ce que je fais? Ah, il y en a d'autres là-bas, je l'ai pas vu. Loupé. Oh. Loupé. Ah bah putain. Oh bah je suis nul moi. Il y a le chasseur et le chasseur, hein. Bah nous on n'est même pas chasseurs du tout. Oh, t'as descendu dans l'eau en même temps quoi. Bon, remonte. Tiens, il est là-bas ton parasortec. Il est dans l'eau? Dans l'eau, ouais. Ouais, non, mais il était plus loin, beaucoup plus loin. Il y a même un parasort tout court. Ah non, c'est un trissé. Ah ouais. Trissé. Ouais, mais si, rappelle-toi un épisode... Regardez, le trissé, il... je sais pas ce qu'il fait. Il est là, il... Voilà, je sais pas, niveau 4, je sais pas ce qu'il fait là. Bon. Prends un bain, peut-être. Bon, la tortue, là, non, tu veux pas? Non, mais elle va remonter. Ah, elle est là. Elle est où? Elle est retombée dans l'eau. Elle est replongée. Ah, touché. Non, c'est moi qui l'ai touché d'abord. Peu importe, on s'en fout. Non, laisse-la sortir. Ah oui, c'est vrai. Laisse-la sortir, je me suis mieux. À combien de chitine? Alors, je suis à... j'arrive même pas à lire. Bah, va dans schéma et regarde... Tout en bas. Non, t'as... Non, il y en a pas assez. Ça doit être 80. Ou 150. J'en ai 65. Ouais, mais bon, tant qu'on retrouve encore une autre tortue... Bon. Ceci dit, moi je serais d'avis qu'on reprenne les raptors avec nous, parce que c'est une défense. Hein. Donc tu vas me suivre, toi. Voilà. Oh, il a pris un point. Ouais, il en a pris deux.
donc. Là, je parais que c'est pourri ça. Bah oui, pas de graines, pas d'engrais, bah oui, forcément. Il faudra faire un truc de bouffe parce que eux, ils vont rester ici. Hein. Distance de suivi, t'as mis quoi? Pour. Bah. Moyen. Ouais, moyen, ça me paraît bien. On peut voir. Ouais, moyen, c'est bien. Parce que très proche, non, ça va pas. Qui te pousse le machin là. Alors, par contre, il me reste. C'est bien celui-là? Oh, il a repris un point. Oui, bon, il me reste. Alors, soit il m'en reste 10, soit il m'en reste 9. On va faire quelques flèches narco. Ah, je peux pas courir quand je craft, c'est vrai. Je pense plus. Et là, il y a l'anosaur qui est revenu. Oh non. Ça m'a pas l'air. Attends. Non, putain, je me cours à chaque fois. Hein. Oh. Il te reste quoi en viande, toi? Bah, pas grand chose en fait. Hop. Il en a 9 en viande. Hein? Il en a que 9 en viande. Bah, j'en ai sur moi. Ouais. Donc, je vais en remettre au pire si on ouais, a besoin. Mais bon. Si on. Ah, 2 argent ta vie. Attends, ils sont en quoi par contre là? Ils sont en agressif là. Ouais. Deux argent, je voulais regarder ce qu'il y avait. Alors, il y a un kilo. Ouais, mais un kilo, ça encore, ça va. C'est pas relativement dur. On va essayer de repérer celui de sexe féminin. Bah oui, je regarde, mais là, ah, il est en l'air. Je peux toujours chercher. Ah, toi, femelle. Niveau 21, ah, je crois. Oh, il est beau. Le bout des ailes rouges, là, comme ça, il est trop beau. Ouais. Niveau 21. Bon. Il n'y a pas de... Non, il peut l'air d'y avoir de... Ah, par contre, faut que je change mes... Bah, tu n'utilises pas ton fusil? Si, il me reste 10 flèches, 12 flèches. J'espère que ça devrait être assez. Et c'est une femelle aussi. Ah, les deux, c'est une femelle? Ouais, mais en plus, elle est que niveau 3. Ouais. Donc, elle sera rapide à tamer. Ouais. Ouais, elle est chelou, elle a une crête rouge. Oh ouais, elle est belle. Ah non, non, pas belle, en fait, celle-là. Ouais, je préfère l'autre, moi. Mais quoi avec le bout des ailes rouges, je préfère. Quoi qu'il en soit. L'autre, on dirait qu'elle a un bonnet sur la tête. Oui, ben, ça va pas, je m'en fous de ça. Non, m'en fous pas, moi. Autre option. Attends. Passif. Non, mais non. On vérifie, passif, oui. Siffler, passif. Ouais, enfin, méfie-toi en faisant siffler passif, parce que ça marche pas tout le temps, il faut vérifier. Oh non, c'est bon, ça marchait, là, en passif. Alors, le problème, c'est de pouvoir s'approcher suffisamment. Là, il y en a une. Bah, c'est celle-là la plus proche, hein, je pense. Celle qui est à droite, là, je pense. Hein. Ah, mais alors, le problème est toujours le même. C'est qu'il faut déjà... Le problème, c'est que si on lui tire... Il faudrait, en fait, qu'on lui tire avec... avec les arbalètes, quoi. Bah... Non, mais pour la tirer déjà vers nous... Bah oui, mais il faudrait que je laisse celle-là... Lui, là. Enfin, elle, là, plutôt. Non, pas forcément. Attends, je vais y aller en vue. Oh bah l'autre, il a réapparu. Elle a réapparu. Juste que j'arrive à la tirer vers moi. Que je sais pas où elle est. Parce que fais gaffe, parce que le problème, c'est qu'il y a des ankylos. Il y a des machins. En fait, ça fait une petite bosse. Bah ouais. Moi, j'ai toujours peur qu'on me contourne, quoi.
Honnêtement. Ce serait bien qu'elle se relève là, que je puisse le tirer dessus au moins. Elle est par là, mais je sais pas où. Parce que le problème, c'est que si tu la loupes et que ça tombe sur une autre saloperie, Ouais. voilà, il va falloir faire avec l'autre saloperie, quoi. Ah non, c'est elle là? Ou c'est elle? Oh, je sais plus moi. C'est celui-là? Mais elle était pas par là? C'est pas un Argentavis, hein. Non, non, ça non, mais ça là, ce qui est devant moi là. Enfin. Normalement, elle est devant moi, mais bon. Non, ça c'est un pélard, on s'en fout. Moi je veux ça là. Dégage, Smilodon, merci. C'est pas un Smilodon, ça. Enfin, le truc bidule là. Ah, il y a des ankylos là. Bon. Ouais, bah ouais, mais là pour l'instant, les ankylos, ça attendra une autre fois. Non, mais je voudrais essayer de tirer sur celle qui est là. Ouais, mais. Elle est là. Ah oui, mais le problème, c'est qu'elle s'éloigne à chaque fois. Il y a trois Argentavis hein, maintenant. Ouais, il y en a deux qui ont réapparu là. Parce que tu sais que le problème, c'est qu'ici aussi, c'est des Kentro qui pop. Je suis trop loin. Je suis trop loin. Oh, elle m'a fait peur, le Pella, là. Il est en train de bouffer quelque chose ou quoi? C'est quoi ce bruit? Oh. Non, je t'ai dit, je me méfie parce que. Ah bah ouais, mais. Elle est posée, je pourrais peut-être réussir à la voir là. Touché! Ouais, non, elle est partie. Oh non! Bah ouais, c'est un niveau 3. Hein. C'est un niveau 3. Ah, elle est en train de bouffer, je sais pas, elle s'attaquer à quelque chose. C'est pour ça qu'elle est pas venue. Ouais, elle se bat avec un Smilo. Ah là là. Bah, elle va crever. Ouais, parce que. Niveau 3. What? Non? C'est pas n'importe quoi le. Je sais pas. Oh putain, il y a des raptors aussi. Encore? Ah bah, ici, il y a deux autres de tout à l'heure, non? Qu'on a vu qui se mêle à la bataille. Oh là là, ça craint là. Bon, elle est morte ou elle est pas morte? Ouais, j'en sais rien. Je la vois pas. J'arrive pas à la voir. Bah, le problème, c'est que. Bah, après, honnêtement, ce qui me fait flipper, c'est que j'ai peur que les qu'il y ait un alpha dans les trucs. Et ça, j'en sais fichtrement rien, quoi. Merde. Allez, mais merde. Oh, tu vas. Ouais, t'as réussi à monter tout à l'heure, mais pas là. Ah, d'accord. Bah, je crois qu'elle est morte. Je vois plus rien du tout. Il y a le raptor femelle. Ouais. Mais je vois pas le. Un raptor encore à l'arrière, ça me fait pas chier parce que bon. On fait attaquer nos raptors et puis voilà quoi. Non, je crois qu'ils ont dû la tuer. Elle y est plus. Parce qu'elle est ni par terre ni en l'air. Ouais, à mon avis, les raptors ils l'ont bouffé. Après, si les raptors ils ont bouffé le smilodon, ça m'arrange. Aussi. Mais. Deux autres argentavis là-bas.
Mais ils sont loin, ils sont au-dessus de l'eau. Ah. Il y en a un kilo. Je vois pas d'autres. Ouais, il y en a pas qu'un. Non, non, il y en a deux. Ça, il y en a deux. Il va faire nuit. Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est les morphodons. Trilobite. Ah bon. C'est rare de trouver un trilobite, j'ai dit non. J'avoue. Je vois rien de très méchant. Je sais pas si c'est agressif les. Non, tu les attaques pas, non. On va rentrer à la base, parce que moi je vois que dalle, j'ai pas ma torche. Ben moi je l'ai, mais cassé. S'il me faut. Pierre, bois, silex. Pas les casser ces pierres. Lesquelles? D'accord, c'est juste des pierres comme ça. D'accord. T'as eu de la peau aussi avec les tortues, je sais plus. Oui. Ouais, oh, ouais, j'ai eu de la peau. Alors, il y a 3 points. Donc on va mettre elle, pardon. Non, il ou elle. Oh, je sais jamais. Il, pardon. Il a 3 points. Je mets dans quoi? Hein? Mmh. L'argent de ta vie, c'est à 3 points. Je mets dans quoi? Un de chaque? Ouais. On va faire une mangeoire. Ouais. Je regarde ce que j'ai. Enfin, ce que j'ai besoin. Mangeoire. Ah bah j'ai besoin de métal, ça c'est sûr déjà. Eh bah tout, parce que j'ai rien du tout. Va voir pour mettre des tiki torches dedans pour. Tu peux me déposer la peau? Enfin, ouais, déposer la peau et le. Enfin, tout, quoi. Essaye de voir si tu peux faire des torches tiki. Ça serait pas mal. Alors. Des torches sur pied, c'est ça? Ouais. Ouais. Faire deux peut-être.
Alors, on va en mettre une. Là, ça me paraît bien. Alors. On va mettre un petit peu de. Quoi chauffer dedans. Alors, vous savez quoi? Vu que c'est la nuit, je vais vous faire un. Et l'autre, on va la mettre. Une ellipse. Honnêtement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques ressources. Je vous dirai tout ce qu'on a fait à la levée du jour, en fait. Voilà, tout de suite. Donc voilà, on est au début du jour. La petite musique a eu lieu. Bon, c'est, il fait pas encore super clair, mais bon, on va pas non plus. Chipoter. Ouais, voilà quoi. C'est pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, durant cette nuit, ce qu'on a ajouté, donc, on a mis un composteur. On a mis un composteur. Ou on... C'est quoi ça? C'est lui qui a chié. Ça chie vite quand même, les raptors. Ouais, ça va. Mais bon, c'est des petites crottes. Ouais, bon, après. Voilà. On a remis en route la plantation de Narco. Hein, qui, oui, qui parce était... que j'ai voulu faire des pots, mais. Qui était là. Mais, et puis Narco. Voilà. Et, malheureusement, Narco. Donc voilà, on a mis une mangeoire parce que les raptors vont rester ici. Il n'y a que notre ami. Ah, j'aime entendre ce bruit là. Ah non, non, je croyais. Bah non. Alors, mon ami, tu vas prendre. Tu vas prendre en quoi? Je vais mettre un dans chaque tout à l'heure. Je lui ai mis un dans vie, énergie et poids. Bon, je sais pas, mais il est peut-être dans attaque, je vois. On va mettre un poids. Il faut qu'il porte quand même, hein. C'est un argentavis, hein. Oui. C'est la mule. Donc, des pendant ailes. La coupure, on a réfléchi et on pense qu'on va rester là jusqu'à temps d'avoir un argentavis femelle. Un argentavis. On après, pas, toi. Bah, parce que c'est pas sûr qu'on arrive à avoir femelle, c'est ça le problème, quoi. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait, grosso merdo? On récolte métal. Métal, on fait. Vous voyez, Miss Dark, elle a mis des torches dans. À l'intérieur pour qu'on puisse s'éclairer quand même un peu parce que c'est merdouille de merdouille quand même. Voilà, donc on fait du métal, de la poudre à canon. Et vous vous doutez que bah, tout simplement on va se refaire des munitions pour oh le chien Zen tranquillisant. Ah, en fait c'est la poudre à canon qui manque. Les mèches disent non, ça sert à rien de faire de la poudre à canon, c'est en fait c'est ce qui manque. Eh, ben, tu sais quoi, étonnamment, les torches ne fournissent pas tant que ça de charbon. Un roux. Ah. Oh, ben, là, non. J'en ai cru qu'il finirait de se casser un jour. Oui. Ah, tu... Donc voilà, donc le but c'est de refaire du narco, de faire du fer. Je vais mettre la viande.
T'as checké en allant là-bas s'il y avait de la tortue ou quelque chose? Non. Non, j'ai pas. Bah, je suis pas allé loin, je suis juste allé à côté. Tuer du. Enfin, tuer. Casser du. Casser une pierre. Non, rends-moi ma hache. Non, mais rends-moi ma hache. Voilà, donc forcément, c'est par petites ressources, hein. Parce que c'est avec ce qu'on casse là, donc c'est sûr que par la suite, il sera plus intéressant de. Non. Le parasaur a changé de place. Le parasaur essaye de se sauver. Ouais, quand on entend, ça serait bien de checker pour prendre les cacas. Mais là, je suis pas à la base. Surtout lui. Voilà. Bon. Là, tu vas franco, toi. Bah, écoute. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on prend les Ptera. Mmh. Qu'on fasse un vol de reconnaissance. Ouais. Hein, ça serait. Oh, j'ai carrément fait deux tours. Je regarde, normalement, j'ai plus rien sur moi. Non. Ah, moi aussi j'ai masse de choses donc il va falloir que je. Je vais juste. Ben, c'était là-dedans, je les ai mis. Ouais. Voilà. Je vais poser un peu de flèches parce que c'est quand même lourd des flèches. Même si elles sont en pierre, c'est quand même lourd. 50. C'est bien celui-là ? Ah ouais, 50. Zortek qui essaye de faire un bébé ou. Ouais. Là nous avons Madame la Tricée qui fait bronzette sur son rocher. Et là nous avons Madame Parazor qui essaie de je sais pas quoi faire avec le caillou. Nous ne dirons rien. Bah je t'attends, non, non. Oui, il va bientôt monter niveau en plus mon truc. Quoi ? Oui. Parce que j'aime pas les mauvaises surprises, moi. Il y a un droit qui a un moussop, je l'avais vu tout à l'heure. Mettre là parce qu'après je pourrais pas. 1, 2, 3, 4 argent à vis. C'est pas de ce côté là que je voulais descendre, mais c'est pas grave. Heureusement je suis pas tombé. 4 argent à vis, ouais, je les vois pas. Ah si, là. 1, 2, 3, 4.
Et c'est quoi qui est par terre là? C'est des raptors, Encore? mais ouais, mais il faudrait regarder celui qui est à gauche. Là, il y a un ankylo. Là, il y a une femelle, niveau 1. Ouais, mais Ah. là c'est le qui Non. m'emmerde là. Ankylo. Je le vois pas, j'arrive pas à le voir. Ankylo. Je vois pas le raptor. Il est où? Ils sont en bas de notre rocher, les raptors. Ah bon? Oui. Ah, ils sont là. Ah oui, d'accord. Ah, de bouger. Je veux juste savoir s'il y a un alpha, parce qu'il y en a un qui me semblait qu'il y avait l'auréole orange là. Mais je sais pas si c'est 2 mètres ou si c'est parce que c'est un alpha. Ah, là. Attends, arrête de bouger. Non, c'est une meute. C'est pas un Je alpha. sais mettre, ça va, ça me dérange pas. Ils sont deux, apparemment. Enfin, je vois deux, moi. Et là, mon pièce d'argent à vis. Oh, il y a des trucs qui courent encore. Oh Oh, merde, les les ankylos. esquimaux. Ah, c'est. Oh, Ouais, bah ça. oh, les ankylos, ils ont défoncé les... Ah, l'argent à vis, ici. Ouais, Bah, lui il a aussi. profité, lui. Il a dit, vas-y, défonce-le. Ouais, mais par contre, ouais, non. Niveau combien? 4. Il y a un kilo qui a crevé. Ah mince. Deux ankylos qui ont crevé. Non, il n'y en a qu'un. Allez là, le smilodon, il est bas niveau. C'est bon, lui, il est mort. Le problème, c'est que l'Argentavis, qui est niveau 4, va s'attaquer à l'ankylo. Du moins, c'est l'ankylo qui attaque l'Argentavis. Celui-ci, regarde, Ah ils ouais. se battent comme des cons. Ah ouais, mais ça. Moi, j'ai pas envie de faire une meute non plus de machin. L'autre, il est parti, c'est très bien. Moi, j'avoue. Là-bas, nous avons quoi? Pas grand-chose. Y a rien là en fait. D'accord. Bon. Là, je dis ça, puis tout d'un coup, bon, un T-Rex Alpha, Tech, ce que tu veux. Tout team. Ah, ça doit être beau un T-Rex tech. J'en ai jamais vu dans le jeu. Ouais, peut-être, je sais plus. Non, j'ai jamais vu moi. Bon, on en est où avec les. Bah, je sais pas. Ah, là, il y a un Argentavis qui est en l'air. Bah, apparemment, lui, il est pas mort. Mince, je passe par où t'es. Femelle, Ah. niveau 4. D'accord. Ah, bah, elle a réussi à tuer l'ankylo, alors. Bon, on va aller reposer les. Les Non. Ptera. Enlève ta loupe, s'il te plaît. Merci. Désolé. Ça, c'est chiant, ça. On va aller poser les Ptera. On va reprendre les Raptors. On va reprendre les Raptors. Bon, ça nous défend quand même. Et on va essayer de. Est-ce qu'on a une flèche? J'arrive pas à voir. C'est bizarre qu'il ait plus les flammes, lui. Ben, je sais pas.
Ils ont le boost là. Bah oui, ils ont le bonus de couple. Ah mais peut-être que celui qui est là-bas, il est plus haut niveau, je sais pas en fait. J'en sais rien. Au milieu. Je vais te mettre là, ça là-dedans. Après, je sais plus à la base ce qu'on, où c'est qu'on en est avec les. Les. Bah, le. Attends. Attaquer la cible. Non, ça va pas marcher. Ça n'a pas marché. Option passif, attaquer la cible. Voilà. Ouais, parce que les raptors, ils sont de notre côté. Hein. Ouais, ouais, ils sont par là, je crois, j'ai vu. Donc. C'est parce qu'ils veulent nous prendre en sandwich. Ouais, ils veulent faire de nous leur sandwich, oui. Personnellement, tu vois, je préférais qu'ils viennent nous attaquer là. Oui. Qu'on s'en débarrasse. Oh, c'est quoi ce qu'il y a là-bas encore? Ça a repopé encore? Ah, bah oui, il y a plein de choses qui ont repopé. Ça, c'est un pachy. Cantro. Oh merde. Oh non, Cantro, ça va. Non, ça va pas, les Cantro. C'est quoi ce bidule là? Il y a les cornes qui dépassent de. C'est le Cantro. Non, il est là le Cantro. Ah, il y en a deux. D'accord. Ah oui. Tant qu'à faire. Ah oui. Un. Deux. D'accord. Non, le Cantro, ça va. Tant que tu l'attaques pas, il vient pas t'attaquer. Bon, ils sont où eux? Ah, j'ai plus de peau là, moi en plus. Non, il m'en reste deux. Sinon, tu veux les tuer? Oui. C'est pas faux. C'est quoi ça là? C'est un morphodon. Forcément, je les trouve pas. Non, ça c'est la merde ça. Veille sur moi, parce que quand je regarde comme ça, je peux pas voir. Ils sont peut-être partis de l'autre côté. Hein. Là, je me demande. Bon, bah écoute. On va longer tranquillement. Alors, l'astuce, c'est voilà, vous balayez comme ça. Là, il y a un argent à vie, deux. Généralement, vous allez vite voir quand c'est marqué, quand il y a quelque chose de marqué. S'il y a quelque chose de marqué, ben, vous ralentissez, puis vous allez. Bon, là, il y a deux argent à vie. Encore deux là-bas. Bon. Ils sont au niveau de l'eau, quoi. Ouais. En fait, c'est l'inconvénient de cet endroit-là. C'est que combien de fois on a merdé notre truc parce que les Argentavis, en fait, quand ils se sauvent, ils sont au-dessus de l'eau et puis manque de peau. Bon. On passe les machins passifs. Oui. De toute façon, s'ils vont se. Si on se fait attaquer, ils vont quand même. Non, c'est où? Non, mais non. Vérifie s'il est en passif, le tien. Oui. C'est bon. Mais c'est mis en neutre. Mais non, je vais demander neutre. J'ai demandé passif. Voilà. Merci. Pourquoi j'ai mis en neutre? Alors, ça, c'est le pachy. Pachy. Là-bas, il y en a un. Bon, il vient de se. Rien voulait là. Trois même. Alors, est-ce qu'on pourrait passer de choper celui-là? J'arrive pas.
J'arrive pas à le voir. À quoi? Eh oui. Hein? Donc. Oh super la vue. L'œil intégral, vous super. Le saurez. Le prochain épisode. Oh. Ont-ils réussi à tamer un argentavis femelle en plus? C'est oui. Que des femelles, je crois qu'il y a là. Je sais pas. Je sais qu'il y a une femelle, oui. Après, c'est dommage parce qu'il y en avait une de niveau 1. Ça aurait été super rapide oui. De la tamer. Après, on peut en rentrer. Et puis voilà, bah, ça s'était fait. Sauf qu'il peut. Après, bon, on n'aurait pas pu la monter tout de suite parce qu'elle aurait peut-être pas pu porter énormément. Et puis, elle aurait pas eu de stam. Mais bon, à la rigueur, on la faisait reproduire. Et puis, voilà quoi. Ouais. Voilà, voilà. Donc. Chers viewers, merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais, t'es rigolo, elle rigole déjà. Enfin, elle me regarde du coin de l'œil là. Bah, là. Ouais, tu vois du coin de l'œil. Mais bon, c'est marrant, vous voyez, on y était juste avant, quand on est revenu. Après la nuit, on est retourné avec nos terrains, on a regardé, on a vu des raptors. Et on a vu les argentavis qui ont tué les cantrosaures. On est reparti à la base déposer les terrains, on est revenu, il y a deux cantrosaures. Voilà, en fait, il y a comme une certaine distance. Voilà. Il y a une certaine distance. En fait, vous pouvez vous amuser à faire que ça. Faites des allers-retours jusqu'à ce que vous ayez vraiment que ce qui vous intéresse. C'est-à-dire, encore qu'il y ait un ankylo, qu'il y ait des ankylos, c'est pas problématique. Des raptors, c'est un petit peu plus chiant. Des gros dinosaures, c'est encore beaucoup plus. C'est aussi chiant, sauf si c'est des genre des brontos et tout ça. Mais bon, c'est ici, c'est pas vraiment ce qui pop. Et vous avez pas mal d'argentavis. C'est pour ça que nous, c'est notre zone de tame d'argentavis parce que c'est assez dégagé, on peut facilement voir. Alors que dans les montagnes, en plus, qu'il peut y avoir des scorpions. Voilà, c'est beaucoup à gérer. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ou pour la plupart d'entre vous, c'est facile et compagnie, il n'y a pas de souci. Mais pour nous, c'est quand même plus compliqué à gérer. Bah, surtout que le terrain n'est pas plat, donc vous voyez, ça fait des montées. Donc voir les animaux qu'il y a juste devant nous, c'est pas vraiment très bien, quoi. Parce qu'imaginez, on est en train de courir et tout d'un coup, un T-Rex. Oups. Voilà. C'est pas, par exemple, nous, on ne fera jamais une base à cet endroit-là. Non. Parce que se faire fréquemment attaquer par des raptors alpha ou des T-Rex ou tout ça, voilà, moi c'est pas mon grand kiff, quoi. Je me mets puis pas... c'est là que notre respawn d'animaux, on va dire, c'est notre principal lieu de respawn d'animaux, donc s'installer là. Voilà. Comme a dit Misarangel, c'est surtout, disons que c'est vrai que c'est cette zone-là, c'est notre zone de chasse pour tam les animaux tels que les T-Rex et trucs comme ça, parce que vous vous mettez en haut de du rocher, vous tirez, voilà, vous avez forte chance de réussir à le tamer plus facilement. Ben, un T-Rex, oui, parce que c'est relativement lent, enfin lent. Si, c'est lent par rapport à un raptor, c'est lent. Bon, après, c'est pareil, tout dépend du niveau du T-Rex. Après, je sais très bien qu'il y a certains d'entre vous, ils jouent et ils mettent des levels de psychopathe. Ouais, mais non. Genre, enfin, après, je crois que c'est plus sur PC, mais j'ai vu, ouais, des levels de 240. Je sais bien que c'est ce qu'il faut parce que je sais plus combien je t'avais dit. Ça peut prendre combien, 71 niveaux ou 41 niveaux, je sais plus. Non, je sais plus. Enfin, vous pouvez que monter à un certain niveau, donc forcément, plus vous allez tamer un dinosaure de haut level, et plus vous allez pouvoir le faire monter haut. Mais, après, voilà, quoi, pour ma part... Même nous, on a Argentavis niveau 1, ça nous dérange pas, on le fait monter, et puis voilà. Voilà, oui, mais bon, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens... Enfin, les autres font pour aller attaquer telle ou telle bestiole, tout ça. Quand tu les vois qui tament du T-Rex pour faire après de la reproduction, bah, le but c'est ça. Oui. C'est s'il est 200, forcément il va monter à, admettons, c'est soit 40 points, enfin 40 levels que tu peux le monter, parce que je sais plus exactement c'est combien. Voilà, tu vas pouvoir le faire monter à 240, alors que si tu l'as 1, tu vas pouvoir le faire monter jusqu'à 41, il sera à son max. Oui. C'est là où est la chose. Bon, après, pourquoi avoir bloqué comme ça, je sais pas.
Peut-être pour éviter que les gens, ils, dès le début du jeu, ils tament un truc et puis qu'ils aient un truc de psychopathe, mais... Je sais pas. Bon, bref. Sur ce, les amis, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un like, un commentaire, ça aide la chaîne à être visible. Et n'oubliez pas, si vous voulez que votre dinosaure porte votre pseudo, bah vous le dites dans les commentaires et on le mettra dans le jeu. Tu sais que j'y pensais plus du tout à ça. Ben si, moi j'y ai pensé tout à l'heure. Parce que c'est vrai que les gens ils regardent pas. C'est moi, ça m'amuse, hein. Franchement, nous c'est l'amusement, hein, de faire des vidéos, hein, parce que bon, après, quand je vois certaines choses. Oui, personnellement, si vous avez un pseudo, vous appelez Bob l'éponge, et ben on aura dinosaure, il s'appellera Bob l'éponge. Voilà. Non, on s'en fout, nous, donc. Oui, voilà. Donc voilà. Bon, à éviter les insultes, les grossièretés, bien sûr. Ah non, ça se mettra pas. Non. Allez. Salut à tous. Ciao, bye.